Quelques principales informations qui dominent l'actualité à nous porter pour vous. La police en pète fiel, yon gros couré et mette 10 lots en bas code. La police en fait qu'on est yon marré 3 gros couré et 2 gros courés dans volet motocyclette. Jimmy Cherizier alias en barbecue dans chaud tout bon. Parmi toutes gang qui gagne dans le pays d'Haïti, c'est non Jimmy Cherizier alias en barbecue. Yo cité dans résolution Conseil Sécurité Nations Unies te voté jour qui te vendredi 21 octobre 2022. Pour qui ça parmi toute gang dans le pays d'Haïti, c'est sous Jimmy Cherizier alias en barbecue. Yo mette accent. Eh bien, yo tente expliquer principal raison yo que m'bral partager ensemble avec vous en dans vidéo ça. Fusillade dans commune Croix des Bouquets pour pipiti 11 moun perdu la vie yo et gagné plusieurs autres qui sorti blessés. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous regardez la vidéo, ça qui est la donne, quelqu'un parmi grands points qui a dominé l'actualité. Bien avant même, nous entrons dans le développement gratuit en quelques secondes. Abonnez à la plateforme si vous pouvez pour que j'aime faire ça. Bye vidéo, ça yon green like, copiez le clan la gueule tout côté. Yon façon pour plus moun capable bien informer et qu'on ça tout ou capable aider plateforme ça avancer pour pi devant. Avant de commencer vidéo, j'ai deux questions pour nous. Est-ce que nous pensons blanc bon bagaille sérieux la régler dans pays d'Haïti dans question sanctionner gang yo? Là c'est non Jimmy Cherizier alias barbecue parmi toute gang qui gagne dans pays d'Haïti yo mettez accent sur lui, c'est seul lui-même qui est dans la liste là. Et pour qui ça tout, parmi tout gang yo, l'amour sans jour, ti l'appli ISO, pour me citer ça seulement, c'est barbecue, communauté internationale là, considéré comme chef de gang qui fait Haïti plus mal. Parlez avec moi dans l'espace en commentaire. Mais avant même, je vais détailler sur la principale raison qui ONU baille. C'est Jimmy Cherizier alias en barbecue. Yo mettez plus accent sur lui qui te partager information ça ensemble avec nous. Dans zone Fresino, la police a annoncé yo mari tant pou crabe. Deux femmes et trois garçons qui te prennent plaisir, nan fait braquage sous moun et puis nan volé motocyclette. La police nationale d'Haïti annonce, yo mené yon gros cocaine chain opération dans zone Tossel, Soisson, Merizier et zone Tapage qui permettent yon pété fiel. Yon gros couré et puis m'arrête en coup crabe 10 lots qui te ensemble avec lui. La propos fait qu'on est yon saisi. Yon machine ak yon zaman ki te nan men malfekte si la yo. Parallèlement nan zone Croix des Bouquets, nèg ak zam yo kontinye ap touye plusieurs moun an dan population wan. Yon ki te vendredi 21 octobre 2022 ya, nan l'après-midi genye yon fusillade ki te fèt nan commune Croix des Bouquets, plus particulièrement dans zone Bon Repos dans station Mibaleyan côté gagné plusieurs gros coureurs qui étaient à bord yon machine vide balle sous moun qui était dans station wan, pour pipiti gagné 11 moun qui perdu la vie et plusieurs autres sorti blessés. Et bien selon information nous gagné majorité moun qui mouri yo c'est chauffeur moto. Nous gagné 6 photo parmi moun ki tombe yo ki rive jwenn nou la et c'est 6 garçons. C'est pour raison ça yo di c'est plus chauffeur moto qui mouri. Mes chers amis, on nous entre dans dossier Jimmy Cherizier alias barbecue. C'est comme si carotte la cuite, décision déjà prend dossier Jimmy Cherizier alias barbecue. Pour communauté internationale là son dossier qui classé parce que yo même yo déjà défini
plan yo sou zobra tête di Michelizier alias barbecue. Dans la dernière vidéo, je te pose une question. Pour qui ça va mettre toute gang qui a des problèmes dans le pays d'Haïti? C'est Jimmy Chérizier alias Barbecue seulement qui, dans la résolution Conseil sécurité des Nations Unies, a voté hier qui est vendredi 21 octobre 2022. Rappelez-nous la résolution ça a donné sanctionner tout chef de gang et tout le monde supporté. Est-ce que Jimmy Chérizier alias en barbecue fait pays d'Haïti plus mal que ISO 5 secondes, que l'homme en 100 jours, que t'il applique pour citer ça seulement? Pour qui ça, monsieur ça tout pas fait partie liste, gang, yon pral sanctionné yo? Pour qui ça yon pas la donne? Pour qui ça c'est Jimmy Chérizier alias barbecue yon censé bailler sentence li? Eh bien, ONU, tentez expliquer principale raison, c'est sous Jimmy Chérizier alias barbecue, yon mette accent comme chef de gang qui a bay problème dans le pays d'Haïti. Mais yon fait qu'on est, barbecue commettant yon série des actes qui menacent la paix, la sécurité, instabilité en Haïti, et puis planifier à diriger yon série des actes qui atteignent droit moun. Ça, c'est la première raison yon bay. Yo fait qu'on est barbecue, c'est une chef de gang qui plus influent en Haïti, qui a dirigé un groupe armé qui est le G9. Et qui est-ce qui te fédéré gang yo? C'est madame Lalim ça qui représentait communauté internationale là en Haïti. En tout cas, yo fait qu'on est Jimmy Chérizier, alors il était un policier qui planifiait et puis participait dans massacre la Saline dans novembre 2018, qui te causé pour plus petit 71 moun te perdu la vie, plus passé 400 kay te détruit, et pour plus petit te gagné 7 femmes yo te violé. N'a continué. En 2018 et 2019, même barbecue ça t'a dirigé un groupe armé qui t'a lancé une série d'attaques brutales sous divers quartiers dans Port-au-Prince. En mai 2020, barbecue dirigé et puis coordonné un groupe nèg exam qui attaquait pendant 5 jours plusieurs zones dans Port-au-Prince. Yo touye plusieurs moun en la population et puis boule plusieurs cailles. Et dernier ça reproche barbecue depuis 11 octobre 2022. Barbecue ak Genève bloqué gaz la dans terminal Varéen. Zak sa contribué dans paralyser pays d'Haïti sur le plan économique et contribué dans crise humanitaire cap saccager pays d'Haïti journée jodi. Eh bien, dans résolution ONU, Conseil sécurité ONU a voté, eh bien ça en gros, c'est résumé, ça y a écrit sous Zobra tête la barbecue que vous portez pour nous là. Pas oublier à l'espace commentaire pour nous parler ensemble avec moi pour nous dire qui ça nous pense. Avec barbecue seulement comme chef de gang, on y mette accent sur lui pour sanctionner le pays d'Haïti. Est-ce que nous pensons blanc? Bon bagay sérieux la fait pour déraciner gang dans le pays d'Haïti vraiment. Nous avons un journaliste Wendy Fell qui était intervenu dans l'émission Boukante La Parole qui fait un sous Radio Mega animé par Ismaël Valester et Gino et puis Guerrier Henry. Journaliste Wendy Fell parlait en pile causé sous dossier ça. Bon, invitez-vous à tant d'interventions que l'on a fait sous résolution Conseil Sécurité des Nations Unies votée pour sanctionner gang dans le pays d'Haïti à tout le monde qui a mis des bibons dans la bouche. Wendy Fell, bonsoir. Bonsoir, guerrier. Comment est-ce que vous êtes? Je vous remets au micro et puis moi-même, je m'attends avec plaisir. Toujours un plaisir.
Bon, je salue tout le monde qui branche la radio là, qui a suivi un peu partout dans le pays. Je salue également Silayo qui est sur les réseaux sociaux, qui a suivi belle émission ça, talk show ça. Moi, toujours connecté guerrier. Et justement, c'est peut-être c'est parce que je me connecte qui fait moi intervenu dans l'émission là, parce que moi, ouais, je cherchais des informations concernant ce qui passé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies jeudi. Et moi, ou semblait même faire conclusion que blanc, contrairement à ça, en pile, t'as pensé ou bien t'as attendu, est pas venu. Moi, je m'abdou d'emblée que lui peut-être un peu trop tôt pour faire conclusion ça, pour dire que blanc pas venu, dans la mesure où résolution que vous votez jodia, c'est une résolution qui a instauré un régime de sanctions concernant gang dans le pays d'Haïti avec des moun justement que yo dit qui a pas financé gang. Et même là encore concernant gang yo, concernant bandio, et yo visé un seul individu, c'est Jimmy Cherizier que lié. Pour ça yo ciblé Jimmy Cherizier, yo dit que monsieur était participé dans la question massacre la Saline. Encore une fois, yo retourné avec question ça, yo dit massacre la Saline ça c'est barbecue qui était dans tête li, t'es gagné plus passé 70 victimes, gagné une femme qui ont été violée, etc., etc. Et puis yo cité également d'autres massacre que groupe G9 l'a fait dans le pays. Et puis, ils ont expliqué que le dernier événement qui a fait dans le pays, c'est Jimmy Cherizier avec groupe G9, groupe Gangza que l'a pas dirigé, qui a fait au côté, li bloqué et en terminal, et bloqué transport et essence dans le pays qui vient cause, qui vient aggraver en tout cas crise humanitaire dans le pays, et puis qui est à la base de crise sécuritaire, ça que qu'on est là. Ça, c'est pour Jimmy Cherizier. Après ça, et pour l'autre Mounio, il va falloir peut-être attendre pendant un petit moment, parce que yo instauré ou bien yo créé des comités, et comités ça yo, et a gagné en période pour que yo travaille, pour que yo identifier des mounes qui le mettre sous des listes, et moun sa, une fois que le comité a fini identifié yo qui ça va passer, ben yo fait qu'on est ensemble état membre Nations Unies, yo y a des obligations pour yo appliquer régime de sanctions ça que yo même yo voté jodi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par exemple, yo capable geler avoir que moun sa yo gagner dans des pays étrangers, yo capable empêcher que moun sa yo transiter et dans des pays, dans les états membres des Nations Unies pour voyager à l'autre pays, etc., etc. Donc c'est ça en gros qui est dans la résolution, hein. Et concernant résolution qui a rapport avec la question aide militaire et pour Haïti, nous obliger étonne, parce que résolution ça, les États-Unis d'Amérique avec le Mexique, ils continuent à travailler sous lui, et puisque je dis à bataille géopolitique qu'a faite au niveau des Nations Unies entre la Chine avec la Russie, les États-Unis d'Amérique surtout pas voulu trop courir à le présenter en résolution là, et puis pour la Russie rejeter, yo voulu prendre temps, yo prend sans yo pour que ensemble, même si c'est États-Unis avec le Mexique a prédigé, mais yo voulu et pour que la Russie avec la Chine yo même yo contribuer en tout cas non façon que il y a pas rédigé et texte ça avant que yo même yo présenter texte final là pour que Conseil sécurité a capable voter. Mais il y a un problème qui gagne, c'est que les États-Unis d'Amérique qui li après le proposer yon intervention non ONU. Non ONU, ça veut dire pour un pile moun qui était capable de penser que c'est pral yon aide et tant coup Jean Saté pour MINUSTA. En tout cas, dans la résolution que les États-Unis d'Amérique a rédigé, a préparé, ben ils ont dit très clairement, c'est après une intervention non ONU, ça veut dire en dehors de ONU. C'est un pays tiers, un État membre des Nations Unies qui prend ça
li pral pran sa sou dol. Ou comment ça me dit? Donc yo vle pour conseil sécurité des Nations Unies votel, mais intervention la ONU ça veut dire yon pays tiers par exemple États-Unis ou bien le Canada par exemple, c'est eux même qui pral pran en charge intervention ça. Est-ce que la Russie ka poser veto face avec résolution ça? Et puis automatiquement la Russie dit non. Est-ce que États-Unis ka fèl et unilatéral? Ben bien évidemment, c'est l'embralé avec vous. Et puisque les États-Unis d'Amérique voulaient proposer en solution non ONU, mais puisque c'est il a présenté le Conseil de sécurité, si on présente le Conseil de sécurité, c'est pour voter. Donc en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine, n'importe quel pays qui fait partie du Conseil de sécurité, surtout le pays ça est capable de poser veto, bien évidemment. Maintenant, si toutefois et Nations Unies, Conseil de sécurité à l'ITA, hein, la Chine ou bien la Russie t'a posé veto, est-ce que les États-Unis d'Amérique pral fait de manière unilatérale? Ça c'est pral yon l'autre bagaille, mais pas croire que un bagaille qui t'a capable empêcher que les États-Unis d'Amérique fait de manière unilatérale dans la mesure où Haïti jodi a bon surtout nexao qui dans gouvernement nexao c'est aide y a chercher. On va c'est aide que a cherché. Si toutefois Conseil de sécurité a rejeté, peut-être il pourra demander avec gouvernement pour demander États-Unis directement être là. Laisse ça, les États-Unis d'Amérique a besoin un bagage justement pour justifier une éventuelle intervention unilatérale que t'as capable de faire sur le pays d'Haïti. Mais de toute façon, nous pouvons là. Et constat, c'est qu'on remarque gang armé et surtout G9 gang ça les clés les mêmes, ils pas décidé et libérer espace Varoua pour que gaz sorti ou nèg yo clair sur question ça ou même nèg yo clair yo pas décidé. Ça veut dire que malgré tande il annonce sanction contre yo, mais monsieur ça yo groupe armé gang armé et groupe ça rete ten face li dit. Et le constat ou d'accord avec moi tout dit, c'est que la police pas capable véritablement le gouverner en nèg yo en bas, c'est très difficile. La police nationale, en tout cas la police nationale d'Haïti, gens que même surtout institution, gens que lié là, il est pas capable bataille avec gang. Et pour la police nationale d'Haïti, ta bataille, hein, ta en mesure pour bataille avec gang za dans pays, mon chef, faut que il y a un gros travail en tout cas qui t'a supposé fait. Guerrier. Donc semaine qu'a venir n'a pas suivi qui ça va passer au niveau des Nations Unies. Probablement c'est semaine qui a venir là que les États-Unis pral présenter résolution et qui Jean ça va passer en tout cas nous pas connait, mais et Jean Stanley saut dit là faut que nous dit une bataille géopolitique qu'a fait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies entre la Russie surtout avec les États-Unis d'Amérique, mais avec la Chine également, vu ce qui a passé dans le pays Ukraine, aujourd'hui, il y a là, on est qui va les supports que les États-Unis baillent et Ukraine, et donc, bah, l'antigen est compliqué. Faut que moi, je dis, bataille géopolitique, ça, il n'est pas fait seulement, et non, ça qui a rapport avec dossier Haïti, bataille géopolitique, ça, l'a fait entre là aussi avec les États-Unis d'Amérique, sous une série de bagailles, tout, qui a passé sur le continent africain, parce que je dis là, il y a plus le pays dans le continent africain qui a pas frappé, justement, occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique. Donc, je dis là, au niveau des Nations Unies, une bataille géopolitique et dossier Haïti, bien évidemment, il fait partie de bataille. Ça, c'est pas pour sans raison. Il y a eu un risque si vous montez sur Twitter, par exemple, pour chercher des informations sur le pays d'Haïti, eh bien, vous pouvez gagner des réseaux, et quand pile russe derrière réseau ça, il y a des médias russes également qui a relayé des informations qui ont rapport avec Haïti, qui passe à du tout. Par exemple, qui ça médias russes, vous pouvez comprendre là, il faut comprendre, malgré l'ONU décidé, hein, pas décidé, et entrer dans logique intervention dans le pays d'Haïti, mais il faut comprendre que les États-Unis d'Amérique déjà envahi le pays d'Haïti là. Moi-même, regarder Sputnik par exemple, m'a regardé d'autres médias russes qui ça a dit, qui ça a publié, il faut comprendre les États-Unis ont l'autre fois encore
déjà envahi pays d'Haïti. Yo prend exemple à bateau ça et que nèg yo te dit qui déjà sous la mer. Yo prend exemple ça, yo tout les États-Unis déjà déjà envahi pays d'Haïti et ce que bon, moi-même avec vous connais c'est pour Corée Haïti, ah, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, yo fait le passer déjà comme on intervention pour dire les États-Unis d'Amérique sont état impérialiste liés, etc. Alors que la critique est la Russie qui envahit l'Ukraine, mais lui-même, de manière unilatérale, il décide pour la envahir en série de l'OPE. Donc, en tout cas, guerrier, moi, je pense que Mbaou est essentiel de l'information qu'on oui, débute. Oui, Stanley, définitivement, Stanley a raison. C'est que Wendy fait travail journaliste. Stanley, tu as raison. On conseille Dolly ou pas journaliste. On conseille Dolly, tu avais raison. Et Wendy, merci un pile pour point ça extrêmement important que vous faites de vous la parole et ou t'es raté occasion dernièrement, mais là merci parce que vous relez directement. Merci Wendy et à très bientôt. Bon travail. En forme, frère. Voilà, Wendy Fell qui t'a PC.